Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Carpocalypse live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! On va essayer ça, voilà. J'ai jamais essayé ce deck-là. Ah, je pense que c'est toutes les mêmes cartes, mais... On va rien casser une fois parce qu'on va se faire crisser une volée de toute façon. Ah, c'est encore la même chose. Oh mon dieu. Ce game-là? Ok, non, je parie des cartes que je ne me trompe pas. Et cette école est très hantée. C'est Courtney qui me l'a dit. Elle est une sorcière, elle voit des choses étranges. Si j'ai raison, tu me dois des cartes. Sinon, et je ne me trompe pas, tu peux avoir des cartes. Je vais te faire part de ce que je trouve. Ah, je pense que Courtney sait ce qui se passe. Pas la Courtney. Elle est où, Courtney? Ah, Courtney, c'est elle de la... Ah, c'est elle. Je pense pas. As-tu dit à Ashley que l'école était hantée? Ne me parle pas, je devrais te jeter un sort avec mes pouvoirs pour avoir fait bannir le jeu. Ce n'est pas ma faute si tu as peur de jouer au jeu juste parce qu'il est interdit. Si tu es si brave, bats-moi dans un match. Je te dirai alors ce que j'ai dit à Ashley. Apocalypse, Carpocalypse. Je ne peux pas gagner, j'ai les pouvoirs de magie noire. Bien, j'ai la pratique et la stratégie du mien. Tu paries qu'il va gagner plus de parties. Bon, allez. Thank you.
Bon. Pas bien pour moi. Ça va pas bien. Ça va pas bien du tout. Intelligent. Il peut me taper bang. Ah, victoire, GG. Les cartes sont pas là, c'ti. Thank you.
Omega. Victoire. Je sens que tu as un enfant a été tué dans la salle de musique. Tes os ont été sculptés pour en faire des touches de piano de Monsieur Swartz. Oh, ça va aller, je n'aurai plus besoin de dormir de toute façon. Examine la salle de musique. Vous ne voyez pas que je vous interrompais le processus créatif d'un génie? Vous avez entendu parler d'un étudiant dont les restes ont été transformés en touches de piano? Je n'ai rien entendu d'aussi ridicule. Mais c'est assez. Les enfants devraient être vus, mais pas entendus. En plus, les os d'enfants conviennent beaucoup mieux à un clavelin. Clavelin? On se met une mauvaise nouvelle à Ashley. Pauline a tout inventé. Sérieusement, elle ne perd rien pour attendre. Je lui ai donné une carte pour cette information. Nous avions un marché. Tiens les trucs. Je vais montrer à cette ordure à ne pas jouer avec Ashley. Hey, pas encore. Qu'est-ce que c'est? Dis-le-nous. C'est Elia, ils ont fait un... Quoi, qu'est-ce qui se passe? Rode, Danny, un secret. Crache le morceau. Il y a un club secret. Qu'est-ce que tu veux dire, un club secret? Un club secret méga mutant Power Pet? Quoi? Attends, je pensais que c'était... Personne ne me parle, donc je ne peux pas jouer de toute façon. Ce n'est pas un problème. J'ai entendu dire que n'importe qui peut jouer. Qui t'a dit ça? Matt, qui l'a entendu de Root. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de Matt? Matt a été expulsé de l'école. Il a essayé de mettre le feu à la directrice Harding. Quoi? Attendez, il a essayé de faire avec son esprit. Je dois en savoir plus, je vais parler à Root. Bonne idée, ne t'inquiète pas au sujet de sa colère. Il va te parler, fais-moi confiance. Je te crois, merci. Vas-tu essayer de jouer aussi? Ça a l'air d'être difficile. Mais voyons, peut-être si tu arrêtes ça et si j'ai envie. Yolanda. Trouvez Root et demandez-lui ce qu'elle sait. Thank you.
On va aider à s'aligner. Donc ça c'est dehors. Je te le dis, c'est un enfant guerrou. Je sais pas, Yolanda. Arrête, j'étais convaincu que tu me croirais. J'ai dû parler à un bizarre dans le Ven pour avoir cette info. Tu reviens et tu me dis qu'il n'y a pas d'enfant garou à cette école et je mangerai mon chapeau. Et je te donnerai une pile d'autocollants, Edgar. D'accord, j'y penserai, mais ne mange pas mon chapeau. Découvre Calvin. C'est sur les enfants garous. Dès qu'ils sont dehors, s'il n'y a personne là-dedans. On va voir que ça donne. Aucun carte. Ça n'a aucun sens sans deck, elle. Il joue deux fois. Oui.
Ah, ouais. Il n'y a pas de sens. Hein. La carte est trop forte. Je vais essayer une dernière fois. Mais... Carte fatale, j'aurais dû mettre tout de suite. Fini. Incroyable ces cartes, tu peux rien faire en toi. On va arrêter de jouer contre lui, c'est une perte de temps. Non. Neuf. Tu sais ce qui se passe? Ah oui? Oui, il y a un club secret pour jouer. Et tu me parles? Pourquoi pas? C'est bien plutôt. Le Power Pet est interdit par ma faute.
Je ne joue pas à Power Pet. Quoi? J'aime Diggy Wheel. Personne ne joue sauf moi. J'aime les animaux sauvages. Tant que tu aimes ça, c'est tout ce qui compte. Et j'aime vraiment Power Pet. J'ai entendu dire de quelqu'un qui l'a entendu de quelqu'un d'autre qui l'a entendu de toi. Il y a un club de Power Pet secret. Je suis pas censé. S'il te plaît, je t'en supplie. Je suis désespéré, où tout le monde me déteste et je peux même pas jouer à Power Pet. Bon, je dois te dire que je sais parce que Olga me l'a dit et elle est la gardienne du club. Tu es amie avec la gardienne du club? Ouais, nous aimons tous les deux les pouliches beaux rêves. Super. Le club secret se rassemble dans le hangar à vélo. Autre chose que je devrais savoir, il y a un mot de passe secret. Le mot de passe est vraiment secret? Aucune idée, ça... Ils appellent ça comme ça, je ne le connais pas de toute façon. Comment tu ne le connais pas? Comment vais-je entrer maintenant? Je ne sais pas, mais j'ai une théorie sur la personne qui pourrait connaître des mots de passe. Yes. Brad Chase. Et alors, qui est Brad Chase? Un tas de filles dans cette école aimerait lui parler. Mais pas moi, il est ennuyeux et pas du tout mignon. Il s'en met simplement génial. Je pense que Brad se tient à la cafétéria à l'heure du dîner. Merci pour l'info, Road. Je suppose que je vais aller parler à Brad. Bon. As-tu dit à Yolande qu'il y avait des enfants loups-garous ici? On jouera... Tu dois gagner ensuite, je parlerai. Et maintenant, le jeu est banni. Aucun prof ne saura. Cardpocalypse! Qu'est-ce que tu veux dire? Les enseignants ne sauront jamais. Je vois ce qui va se passer et je sais. Et je sais que tu vas perdre. Pas victoire, mais tout peut changer rapidement, surtout mes gars. Attends. Bon coup ça. J'ai plus de cartes en tout.
J'ai plus de cartes. Par où toutes mes grosses cartes? Je suis mort. Ouais, je suis mort. Où ça? Wow. La vieille femme qui vit dans les oreilles. Non, je voulais te battre, oui. Tu dois me battre d'abord. Je vois que tu as passé, je sais. Et je sais que tu vas perdre. Salut ONBNG, comment ça va, OBNG? Je pense que je gagne. Yes! Storm est un monstre de la nuit, un loup-garou, on devrait l'enterrer. Tu crois sérieusement ça? Crois-tu qu'un jour tu seras une graine dans le jardin de quelqu'un? Et bye, bizarroïde.
Découvre si Storm est un enfant ou Garou. Ça ressemble à quoi, Storm? Storm, c'est lui. Brad. Non, elle a dit qu'il était à la cafétéria, mais ça. C'est qui, Storm? Le petit lait. Pas sûr qu'il n'y ait pas de la classe d'or. Mes bras doivent vous parler de quelque chose. J'ai bien fait la nouvelle. Ah, d'accord. Wow, c'était si pathétique que même moi je me sens mal. Tu n'es même pas en colère comme moi et tu ne m'ignores pas comme tout le monde. Te mettre en colère ne donne rien. En plus, je m'en fiche que tu as fait bannir le jeu. Ce n'est pas moi qui ai... Attends, quoi? Pourquoi? Je n'ai jamais joué au jeu. Donc, tu ne joues pas au Power Pet? Oh oui, je suis confuse. J'ai commencé à jouer maintenant qu'il est interdit. Est-ce vraiment plus cool parce que moins de gens le jouent? Je me fiche que les autres ne trouvent cool. D'accord. Pourquoi joues-tu maintenant alors? Ça va comme ça, les profs sont pires que Power Pet. C'est techniquement vrai. Et maintenant, Power Pet les rend fous, ce que je soutiens tout à fait. L'idée d'étudiants qui jouent dans leur dos à une sorte de... je ne sais pas, club secret, ça peut vraiment créer de l'animosité chez eux. S'il te plaît, donne-moi le mot de passe, s'il te plaît. Quel mot de passe? S'il te plaît, avec la crème fouettée du caramel. Je ne sais pas de qu'est-ce que tu parles, quel club? Et tes noix? Et des noix, une banane, une cerise, le dessus? S'il te plaît, arrête, je ne connais pas le mot de passe. Mais Olga, si elle tient la langue, elle reçoit une carte à la fin de la journée. Merci pour rien, je suppose. Si tu m'écoutais, tu découvrais que je sais certaines choses. Si ça n'est pas le mot de passe, alors parle à la patte. Si tu veux pas l'indice, très bien. L'indice? Qu'est-ce qui est gratté, mais ne se gratte pas? Qu'est-ce qu'est censé vouloir dire? C'est un indice pour trouver le mot de passe. J'ai passé la journée à essayer de le comprendre. D'accord, je le réfléchirai. Parle à Olga. T'as du grec à vélo. Qu'est-ce que tu veux la nouvelle? Tu as vu le bon épisode de Pouliche Beau Rêve dernièrement? Moi, regarder cette émission pour bébé, pas question. C'est plate parce qu'ils ont sauvé Nuages en ville et ça fait un tabac. Tu sais donc rien, les nuages ville, oh. Écoute, pour jouer, tu dois d'abord... Improve vite. On agit naturellement. Que penses-tu de ces maths, hein, bonne case? Oh, les nombres, oui, les nombres. Utilise pour certaines choses, pas mal certaines. Il est parti, c'était génial. D'accord, alors, mot de passe? Non.
Encore toi? D'accord, elle monte pas. Hello, Spilly. Non, tu peux réessayer. Auto-grattoir? Exact. Tu peux entrer. Tu es dans le club, non, pas Justin. Justin. Hey, le club est un tournoi par le pet secret. Une montagne russe de bataille incroyable. Le défi suprême d'un joueur de son jeu. Deux cartes communes seulement pour jouer. Excuse-moi. Audacieux est prêt pour une compétition sérieuse. Donne à Justin deux cartes communes pour entrer dans le tournoi. Tant de payer, je ne suis pas prêt. Fais des cartes, Jeff. C'est quoi ces deux cartes communes? Sont assez bonnes cartes, je suppose. Prêt à jouer la première partie? Qu'est-ce que j'obtiens si je gagne? Tout le monde est en tapé la Champion Power Pet ultra génial de l'école. Excellent. Il n'y a plus chaque partie gagnée rapporte une carte. Eh bien, on va maintenant de le tournoi. Oh, aujourd'hui seulement. Quoi? Nous pourrions nous faire prendre. Qu'est-ce qui vous empêche de vous faire prendre aujourd'hui? Je veux vraiment organiser un tournoi, Jeff. D'accord, j'espère vraiment qu'on ne fera pas perdre. Bon, je sais que ce que je fais et je dois être prêt à jouer. Super. Lizzie, vas-y. Et la bataille commence. Salut alors. Tu es la première adversaire? Ouais, mais ne t'inquiète pas, je vais t'épargner. Épargner, moi? Toi, tu ris-tu? Alors, voyons. Que tu es capable. 100% de nourriture pour mon champion. Ça reste à voir, c'est parti. Bon, allez, on est capable. Comment oses-tu entrer dans un désaboyant? Tu me diras ce jour. Je serai vaincu par la valeur de mon armée, ma jolie. Ça. You
Allez, victoire. C'est fini, victoire. Oh, tu es plutôt doué, Jess. Je parie que tu vas gagner. Merci, Lizzie, je ferai de mon mieux. Maintenant que tu as gagné, veux-tu au moins échanger avec moi? Non, je veux rien changer. Bravo, ta prochaine adversaire est Megan. Salut, Nintendo Switch. Lorsque tu es souffle détruit, un souffle d'ennemi suivant est suivi. La carte mutant sans jouer face vers le bas lorsqu'elle était déclenchée, si tu fais la mutation est révélée. Lorsque la mutation est révélée. C'est bon ça. C'est de là-bas. Je suppose que je dois te battre. Tu peux essayer. J'ai entendu dire que tu avais fait bannir le jeu pour que les autres ne voient pas perdre. Je me concentrerai sur mon jeu et mon... non sur les rumeurs. Je pense que tu pourrais en avoir besoin. Insolent. Tu n'es pas drôle. Voyons comment ça se passe. Cardpocalypse. Je te promets que je vais être gentil. C'est le premier que je serai pas. Bon, on a des grosses cartes. Tu niaises, toi, là? Hey, c'est-tu définitif ou quoi? T'as-tu volé ma carte tout le long, quoi?
Oh, je perds. Oh non. J'étais chanceux. Yes. J'étais sûr que je perdais. Impossible, tu m'as battu. Va donc propager cette rumeur. Une autre victoire pour Jess, ton adversaire ultime et Brad. Déployer donne un sous-filtre ennemi 2 points d'attaque. Ça coûte cher, par exemple. Ouais, on dirait que ton air est très vraiment pour les profs. Mais peu importe, prête. Es-tu prêt? Mais je viens juste de commencer à jouer. Je suis déjà meilleur, pas étonnant. Ok, ouais, c'est parti. Ah, postcard là. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour perdre devant toi. Je ne suis pas venu ici juste pour perdre. Bon. C'est une défense. Bon, je l'ai. Yes. Cardpocalypse. Raté. Oui, génial, je suis la championne, mon ami.
Voilà les amis, le champion de notre tout premier tournoi secret est Chess. C'est tout pour le moment, mieux vaut décarpir avant qu'un prof nous trouve. La première fois que j'avais joué, je n'avais pas été champion. Là, je suis champion. Bouffon. Killer. Diva. La diva fatale. Leader. Strike a pose. Gagner le tournoi secret, excellent. Je suis la championne. Tu es la championne Power Pet ultra géniale de l'école d'Usdale. Ouais, ouais, mon prix? Voilà, super. Excellent. Bon. De la classe de maths, le petit gars que je cherche. Vérifie la théorie de l'enfant garé à Yolanda. Découvre si Storm est un enfant. Storm, c'est qui? Le petit lait qui est là. C'est peut-être à la bibliothèque, Storm. Ah, moi que c'est lui qui est là-bas. Es-tu un loup-garou? Ouais, j'en suis pas. Ah ah, tu étais mon biz. Non, j'ai entendu dire que toute la bizarrerie à l'école hier était ta faute car tu es un enfant loup-garou. De toute évidence, la bizarrerie a été causée par des extraterrestres voyants, c'est la seule vraie explication. T'apportes de mauvaises nouvelles. Ah, pas dehors. Je te promets que tu ne seras pas déçu, mais il n'y a pas d'enfant garou. Je planifiais en capturer un et lui faire le tour du pays dans un spectacle itinérant. Et laisse tomber. Merci quand même, Jess. Voici ce que je t'ai promis. À la fin de ton tour, un autre sous-fit amical aléatoire acquiert. Lorsque tu déploies un sous-fit avec une attaque plus grande que tout, donne tout d'un fil et élimine moins deux d'attaque. Ça, j'aime bien ça, vraiment. Jess, tu peux m'aider? Tu dois m'aider à trouver un public pour mon numéro de comédie. Mais pourquoi? Parce que je vais être une vedette, Jess, une vedette. Tu ne peux pas rassembler ton propre public. Les vedettes ne ressemblent pas à leur propre public parce qu'elles n'ont pas besoin de le faire. S'il te plaît, je veux voir ce que je peux faire. Tu es la meilleure amie de tous les temps. Je ne fais aucune promesse, n'oublie pas que tout le monde me déteste. Les gens ont la mémoire courte. Rejoins-moi au terrain de jeu quand tu auras trouvé au moins 3 personnes. Là, c'est un spectacle de Yolanda. Non. Mais... Non. Et David, tu veux revoir Yolanda raconter quelques blagues? Yolanda est venue à mon anniversaire une fois. Mon père dit que Yolanda Diaz est un démon et je n'ai pas le droit de jouer avec elle. D'accord. Et si je te faisais une faveur? Ok, mais je pourrais te demander quelque chose à tout moment et tu devrais le faire. Absolument. D'accord. Oh, d'accord, tout le monde mérite une seconde chance. Je dois supposer d'y aller.
Non, c'est bien, je mets la carte dans le deck aussi. Annie, tu veux venir voir le spectacle de Yolanda, il est vraiment drôle. Je sais que le jeu est tardi par ma faute et tout, mais pourrais-tu? Elle fait des blagues de vampires? Quoi? Les vampires, elle fait des blagues sur les vampires? Probablement. D'accord, j'y vais. C'est facile. Il y a un spectacle comique dans la cour de récréation, tu peux le voir. Et abandonne mon poste de surveillance. Mais laissez la récré, le crime ne prend jamais de pause, et moi non plus. D'accord. Examine la théorie des... Sam, c'est qui Sam? J'ai entendu des gars parler très discrètement d'un poteau grattoir bizarre, non? C'est lui, Sam, hein? Je sais que c'est ce qui se passe, je sais ce qui cause les bizarreries. Nous sommes des cobayes, Jess, c'est Monsieur Nicole, je l'ai vu avec la glu et le microscope. Il va nous faire muter, je parie une de mes meilleures cartes que j'ai raison. Je te le dis, tout va bien. Tu ne devrais vraiment pas parier tes cartes. Nous allons tous mourir quand il va nous muter. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Je vais savoir à Sam quelle expérience nous ont pas réelle. J'ai déjà parlé à M. Nicole, Sam. Donc, tu sais que j'ai raison? Il n'y a aucune expérience. Nicole dit que c'est pas dangereux. Aucune raison de s'inquiéter. Sauf peut-être pour les Sloppy Jane. Mon projet de science portait sur les Sloppy Jane l'an dernier. Ils sont fermés à la cafétéria. Merci, Jess. Je n'ai jamais été si heureux de donner une de mes cartes. Demande à Jacob. Et pas en théorie. Hey, j'ai étudié toutes les théories sur les bizarreries et je n'ai aucune idée d'où elles viennent. Parfois, penser ce que tu sais peut aider. La glu est violet comme l'éclair. Bizarre, elle est apparue avec ton intervention avec Bruce. Jacob, tu es incroyable. Tu penses que c'est à cause de ma dispute avec Bruce? Ce n'est pas parce qu'elle est apparue en même temps qu'elle ait quelque chose à voir avec. As-tu bien regardé la glu? Non. Et je n'aime pas les tournures que ça prend. J'ai besoin de ton aide pour enquêter.
m'attendais à ça. Alors, je suis toute seule là-dedans. Juste après un petit coup d'œil après l'école quand aucun professeur ne pourrait me donner d'ennui. Merci, Jacob. Peut-être que je trouverai des élèves dehors. Voulez-vous voir des blagues? T'as encore le truc de Yolanda? Ouais. Non, merci. S'il te plaît. Pas question, je devrais m'éloigner davantage au cas où j'entendrai des blagues. Pas bataille, je pense. Voilà, c'est de nouveau. Ça n'a aucun sens. Bon, c'est fini. On peut pas la toucher, hein, c'est incroyable. Peut-être qu'il y a des amis en musique ou... musique en or. Thank you.
Il y en a trois, mais ça. Écureuil, il a pas vu, mais d'accord. Salut. Pastille. Rien, j'ai un nouveau ici, j'essaie de climatiser. Génial, je suis plus la nouvelle. Je suppose que non, pas en tout cas. Je sais pas ce qu'il y a d'alcool à Dubsdale. Pas grand chose, c'est un peu ennuyeux. C'est que demain, si nous sommes chanceux, un chien se détachera et viendra dans la cour. Nous ne pouvons qu'espérer. Personne la plus drôle de l'école raconte des blagues. Bien sûr. Super, Yolanda est là. Yolanda nous crie tout le temps après. Oh non, pas question. Qu'est-ce que tu comptes faire autrement durant ton dîner? Bruce va venir cingler. Si les enfants rient et rient des blagues de Yolanda. Yolanda sera tellement heureuse d'avoir une auditoire. L'idée de Bruce qui panique lorsque Jordan et Jaden riront est étonnante. D'accord, je vais y aller. Excellent. Parfait, place au spectacle. Allez, on y va. Attends. Ah, je t'ai trouvé un public. Merci. Qu'est-ce que tu peux plus? J'ai besoin que tu réchauffes le public. Réchauffer? Ouais, tu sais, raconter quelques blagues. J'en connais pas. Vite, la foule s'agite. Raconte une blague. Je te donne une carte pour chaque bonne blague. Ça va. C'est la première partie du spectacle de Yolanda en faisant la routine humoristique. Une maman se tremble à ses enfants. Vous vivez longtemps. Il ne faut jamais être pressé. Drôle. Ah. Je suis resté debout toute la nuit, car je voulais voir où le soleil va. C'est alors qu'il m'est apparu. Eh bien, où va-t-il? Comment appelle-t-on un groupe de profs en enfer? Je sais pas quoi. L'école. Je fais faire pipi, mon pantalon, une autre blague. Obtient-on un croissant, un chien, une calculatrice? Un ami sur qui compter. Et bonne, Jeff. Une autre. Encore. Sam m'a donné un livre de géologie, vous devriez le lire. Il est solide. D'accord, d'accord, je ris tellement. Une autre blague, je pleurais. Présente-moi, Jeff. Ah ouais? Madame, pauvre type et cher chrétien, je vous présente l'incroyable, merveilleuse, hilarante, spectaculaire Yolanda. Merci, je vais continuer, Jeff. En fait, tantôt, un autre sous-titre amical aléatoire à 1-1. Si tu as une mutation face vers le bas, gagne. Ah non. Retirer.
On va essayer une dernière fois, Candel. Bon, je peux rien faire de plus, j'ai pas assez de cartes défensives. GG. Salut Jess, tu veux venir à ma maison après l'école? Tu n'as pas un entraînement? Je ne sais pas comment, mais je pense que je sens une blessure s'en vient. Ce n'est pas comme ça que les blessures fonctionnent, mais je m'en fiche, c'est tellement fort. C'est tellement hâte. Nous pouvons regarder les retours des zombies gluants. Quoi, tes parents te permettent de louer ça? Non, mais ma garde de nuit. Voilà qui est intéressant. Il n'y avait pas de glu ici à l'heure du dîner. Hein? Jess, c'est toi? J'ai trouvé le gros lot. C'est exactement ce que nous cherchons. Oh. Aujourd'hui n'a pas été mal après tout, tu sais. Merci à toi et les autres. Ça n'a pas été... Je suppose que ça pourrait être pire. Quelques personnes ont recommencé à me parler.
Il ne sent pas rancunier. Demande à Yolanda, elle fait interdire quelque chose chaque semaine. D'ailleurs, la bizarrerie fait déjà parler d'elle en ville. Ouais, je suis heureuse que Jacob enquête là-dessus maintenant avec moi. Il est très intelligent. À ce sujet, ma mère a su que j'étais blessé. Elle a demandé à mon tuteur de maths de venir. Pourquoi ferait-elle ça? Je dois obtenir un A, être président de la classe, prononcer le discours d'adieu. Ensuite, il y a les grandes universités, l'école de droit et les élections du Parlement. Tout ça fait partie de mon plan de vie de 10 ans. Oh, mais parfois je veux juste regarder des dessins animés et jouer à Power Pet. Eh bien, juge, pour ce moment, oublions tout et restons et jouons. Génial, sans soucier que les gens puissent nous voir non plus. Tu veux dire les profs? Non, mes amis se moquent de moi et ne voulaient plus me fréquenter. Il n'y a plus besoin d'eux, je suis là. Oh, ils jouent au jeu. Je leur ai dit qu'ils avaient trouvé ça drôle. Ils voulaient savoir qui c'était pour lui botter le cul. Ils ont l'air d'un tas de crétins. Les gars ne sont pas si mal que ça. Ici, ils sont les plus populaires de l'école. À quoi ça sert d'être populaire s'ils ne s'amusent pas? Ils sont amusants, nous nous plaignons. De l'école, et je ne peux pas faire ça à la maison. Mes parents aiment que je sois populaire parce qu'ils veulent que je saute la 5e année. Ouais, c'est génial. Quoi? Ouais, je savais pas que tu étais aussi intelligent. Nous pouvons toujours nous voir à l'heure du dîner. Et c'est un an de devoir au moins. Ouais, tu as raison, merci. Peux-tu jouer à Power Pad jusqu'à ce que mon tour arrive? Bien sûr. Super. J'ai des cartes en double, tu les veux? Une mutation face au bas. Détruit une mutation face au bas à un ennemi. Endommagé à plus 2 en attaque. Lorsque l'un de ses outils apparaît, ça se fait gagner 5 points de santé. T'es où ce carte-là? Peut-être supprimer sans faire exprès. En tout cas. Ah, il est là. La carte de mutation sera jouée face à la balle lorsque elle est à...
Il faut mourir, ok, je savais pas. Allez. Fatal, il va tuer ma carte direct. Ah non, je pouvais pas. Et voilà, victoire. Je pense t'avoir vaincu. Je pense trop. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu Carpocalypse Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh!